Ce vendredi 4 juin 2021, l'humanité a célébré la Journée internationale des enfants victimes innocentes d'agressions. Le but étant de reconnaître la souffrance des enfants du monde entier, victimes d'abus physiques, mentaux et émotionnels, afin de lutter pour que tous les enfants puissent se développer dans la liberté et dans la dignité et grandir dans un environnement sûr et bienveillant. À l'occasion de cette journée, cette activiste fait le point de la situation en Guinée. Il y a de ces enfants qui sont victimes de maltraitance. C'est comme aussi il y a de ces enfants qui sont abandonnés. Et nous retrouvons des fois des enfants qui n'ont pas de parents, des enfants qui vivent avec certaines personnes qui les maltraitent, qui les exploitent. Les gens aujourd'hui, ils ne connaissent pas les droits réellement des enfants. Et je me dis que parce que la loi n'est pas appliquée. Plus loin, Maïmouna Barry interpelle chacun et tous à lutter contre les abus infligés aux enfants. D'abord, les parents doivent s'impliquer. Nous devons accompagner les autorités. Je demande à tout un chacun de se battre pour les enfants, aidant les plus faibles et les plus démunis. Apportons notre aide. Nous ne pouvons pas donner de l'argent à tout le monde, mais notre force, notre détermination, nos engagements dans les différentes activités, nous pouvons faire avancer les choses. La Journée internationale des enfants victimes innocentes d'agression vise à créer un environnement plus sûr à la maison, à l'école et dans d'autres endroits permettant aux enfants de se protéger de la violence.